de la neige qui se trouve au-dessus des épis. L'hiver est arrivé très tôt. Trop tôt pour Thierry Drouin, un producteur de grains de Saint-Henri près de Lévis. Il estime que le tiers de ses épis de maïs utilisés pour nourrir ses vaches laitières sera perdu cette année. On a tenté de récolter cette semaine, puis on s'est rendu compte qu'on en perdait trop. Fait que là, on espère finalement que le niveau de neige s'abaisse assez pour réussir à récolter les épis cassés. C'est que la neige accumulée empêche la machinerie de ramasser les épis. Ajoutons aussi que la plupart étaient déjà cassés en raison de la tempête automnale du 1er novembre. Le maïs a été affecté par le vent de l'Halloween. Plusieurs se demandaient même si on ne retardait pas l'Halloween. Mais nous, le maïs, il était dans le champ, puis il s'est fait casser par le vent. Même son de cloche pour un autre producteur du coin. Il s'agit de l'une des pires saisons de sa vie. Le problème qu'on a eu cette année, c'est qu'on a eu un printemps très pluvieux, très froid. On était 15 jours à 3 semaines en retard avant de semer. Puis après ça, il a fait trop froid. Puis avec un automne pluvieux, ce qui nous a pas aidés. Les producteurs de grains du Québec estiment que 74 % du maïs n'a pas été récolté au Québec en raison des caprices de la météo. Ils demandent une rencontre d'urgence avec Québec dans les prochains jours afin d'aider les producteurs à essuyer leurs pertes. On souhaiterait que le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, la financière, mettent en place une cellule de crise pour bien gérer cette problématique-là. Au ministère de l'Agriculture, on assure qu'une rencontre est prévue prochainement. La pluie verglaçante annoncée dans les prochaines heures dans la région pourrait augmenter le stress des producteurs. C'est une donne aussi supplémentaire. Là. C'est beaucoup de stress. On va-tu réussir, on va-tu pas réussir? Les revenus sont en fonction de ça. Fait que les producteurs sont plus tendus. Là. Les récoltes ne sont pas terminées, que les producteurs se disent déjà tournés vers 2020 et ainsi oublier l'année 2019. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Québec.